Bonjour tout le monde, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, cette semaine je vais vous parler de la date la plus importante de l'année. Ce sera le 16 octobre prochain et si cette date est si importante pour moi, c'est que ce sera la date de la sortie de mon deuxième album. C'est parti. Et oui, ça approche, messieurs, dames, les plus fidèles d'entre vous sur cette chaîne. Vous avez suivi jusqu'à la création de certaines chansons de cet album. Vous êtes dans la boucle depuis plus de 2 ans maintenant. Vous avez suivi les échecs, vous avez suivi les succès, les doutes, les nuits entières à fabriquer tout ça. Et puis l'enregistrement où certains parmi vous sont même carrément venus enregistrer en studio avec moi. C'est une aventure de dingue de créer un album et j'espère que je vous l'ai fait vivre à la hauteur de l'excitation que moi, ça me procurait à moi aussi. Mais maintenant que le disque est là entre mes mains, c'est un autre décompte qui se lance. Et cette semaine, je voulais partager avec vous quelques-unes des tâches qu'on doit faire pour organiser la sortie d'un album. On se rend pas compte, mais quand on est un artiste indépendant, comme c'est mon cas, on a une espèce de to-do list de malade à gérer les semaines qui précèdent. Le démarchage pour trouver des dates, la création de budget, les fiches techniques à rédiger, la gestion des partenaires. Je vais te dire ce qu'il te faut. C'est un manager. Oui, des fois c'est ce que je me dis aussi, ouais. Les trucs qui m'ont vraiment pris beaucoup de temps cette semaine, c'est clairement l'organisation de la sortie numérique de l'album, c'est-à-dire tout organiser pour que l'album soit disponible sur les plateformes numériques, type Deezer, Spotify, Amazon, etc. Pour ça, il faut choisir ce qu'on appelle un distributeur numérique, souscrire un forfait et préparer consciencieusement ce qu'on appelle les métadonnées de l'album. C'est-à-dire non seulement les titres des chansons, le nom de l'interprète, mais aussi la liste de tous les musiciens qui interviennent sur chacun des titres. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on renseigne le code ISRC. Ce code, chaque chanson en possède un, c'est un peu la carte d'identité de la chanson. C'est notamment par le biais du code ISRC que la chanson est protégée, qu'elle est unique. C'est aussi comme ça que YouTube repère qu'il y a des chansons protégées. Ensuite, grosse étape à gérer, les invitations au spectacle. Et là... Là, on rigole plus, là. Non. Ah non, là, on rigole plus du tout parce que ça prend un temps de malade. Et oui, parce qu'une sortie d'album, ça doit être un événement. Et l'idée, c'est de profiter de cet événement pour inviter tout un tas de personnes importantes comme les médias, les professionnels du spectacle, comme par exemple des programmateurs. L'idée en les invitant, c'est qu'ils aiment ce qu'ils voient, qu'ils programment à leur tour et que ça fasse un peu boule de neige, quoi. Donc, il faut créer soi-même un document, invitation, il faut l'imprimer, le plastifier. Et ensuite, c'est parti pour le travail à la chaîne, écrire toutes les adresses de tous les programmateurs listés depuis des mois, leur mettre un petit mot personnalisé et enfin poster le tout en espérant que sur les 50 envois, peut-être 5 d'entre eux se déplaceront le jour J. En plus de tout ça, il va falloir maintenant que je m'attelle à faire un petit peu de promo, des radios, des interviews pour des journaux, des télés. Bref, même si j'ai parfois envie de me poser avec un bouquin tranquille dans un hamac, bah ça sera pas le moment pour les 3 prochaines semaines. Moins de lecture, plus de télé. Il va falloir aussi que j'organise mon équipe pour le jour J, à savoir qui m'aidera pour les ventes de CD à la fin du concert, qui gérera les entrées. Il faut que je prépare les cachets des musiciens, que je gère les invités du soir. Oui, parce qu'il y aura des invités spéciaux ce jour-là. Bref, vous l'aurez compris, organiser une sortie d'album, c'est toute une aventure. Mais c'est d'abord un plaisir de partager cette aventure avec vous chaque semaine. Il ne me reste qu'une seule chose à vous dire avant de repartir au boulot pour cette sortie d'album. Si vous avez la moindre envie de venir pour cette sortie qui s'annonce une super soirée, n'hésitez pas. J'adorerais qu'on se retrouve pour une rencontre abonnée à cette occasion. Ça donnerait du sens à cette chaîne. On se retrouverait, ça montrerait que vous êtes vraiment là et que vous êtes la meilleure communauté du monde. Parce que Squeezie, là, il y en a plus, mais ils sont moins bien que vous. Franchement, n'hésitez pas à réserver vos places. Je vous mets le lien ici et en description de la vidéo. C'est le 16 octobre, c'est la sortie de mon album. C'est la date la plus importante de l'année. On va mettre le feu, alors soyez fous, soyez là.